Vous avez appris à l'école que 5 fois 5 est égal à 25, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez vous apercevoir qu'en marketing relationnel, on ne compte pas forcément de la même manière. Lorsque vous regardez les résultats que l'on peut obtenir, vous serez certainement ravi d'apprendre que, en fin de compte, vous n'avez pas besoin de parrainer beaucoup de personnes pour vous construire un très large groupe. Par exemple, imaginons que vous parrainiez 3 personnes et que vous allez les aider à parrainer elles-mêmes 3 autres personnes. Cela vous donne 9 nouvelles personnes que vous allez aider chacune à parrainer 3 autres personnes. Ce qui vous donne 27, puis 81. Et comme chaque personne de votre groupe va consommer les produits, ça vous donne un revenu mensuel avoisinant les 700 euros. Et ce revenu va tomber automatiquement chaque mois après mois, que vous travaillez ou pas. C'est plutôt intéressant quand on pense que, à la base, vous avez parrainé seulement 3 personnes. Et maintenant, regardons ce qui se passerait si chacun parrainait juste une personne de plus. Nous avons donc 4 personnes au niveau 1, 16 personnes au deuxième niveau, 64 au troisième et finalement 256 au quatrième niveau. Et regardons maintenant le total. Sur la gauche, on a un groupe de 120 personnes et sur la droite, on obtient 340 personnes. Quand on regarde le résultat final, là, vous vous apercevez qu'il y a 220 personnes de plus dans votre groupe. Et en termes de commission mensuelle, la différence ici est énorme. On passe d'un revenu mensuel de 700 euros à un peu plus de 2300 euros de commission mensuelle. Et bien entendu, ces commissions, vous allez les toucher tous les mois après mois, que vous travaillez ou pas. Ainsi, en un tour de bras, votre revenu mensuel a plus que triplé. Mais quand on y réfléchit, la vraie différence, c'est que chaque personne a parrainé une personne de plus. Et que se passe-t-il si chacun recrute non pas 3 ou 4, mais 5 personnes? Vous avez 5, 25, 125, puis 625 à votre quatrième niveau. Ce qui vous donne un total de 780 personnes dans votre réseau. Et quand on regarde les totaux, quelle est la différence finale entre 340 et 780? Eh bien, le nombre de personnes dans votre groupe a plus que doublé. Mais quelle est la vraie différence? Eh bien, c'est que chaque personne n'a parrainé qu'une personne en plus. Quand on parle de marketing relationnel, certains ont tendance à le confondre avec un système pyramidal illégal et malhonnête. Et pourtant, c'est complètement différent. Le système pyramidal est illégal en France depuis 1953 et dans la plupart des pays, car c'est une arnaque. Il n'y a aucun produit et le principe est de recruter des personnes en payant leur commission avec l'argent récolté lors de l'inscription des nouvelles personnes. Ce principe finit toujours par s'effondrer, d'où l'arnaque. En marketing relationnel, il y a toujours un produit et vous êtes rémunéré sur la consommation de ce produit. En gros, il s'agit juste pour tout le monde de le consommer et éventuellement de le partager autour de soi. Tout est donc parfaitement légal et bel et bien reconnu par les institutions européennes. D'ailleurs, certaines des entreprises les plus connues utilisent le marketing relationnel. Pour n'en citer que quelques-unes, Coca-Cola, Sony ou encore Tupperware. En marketing relationnel, le produit est fabriqué par l'entreprise et arrive directement dans les mains du consommateur final. Ainsi, toutes les étapes les plus coûteuses ont été supprimées pour vous être reversées sous forme de commission. Pointer du doigt le marketing relationnel comme étant une arnaque n'a donc aucune raison d'être. C'est comme reprocher à une entreprise d'avoir un patron à sa tête ou encore à une grande surface de pratiquer des prix plus élevés que les prix d'usine. De plus, en marketing relationnel, vous êtes à la tête de votre propre réseau. C'est à vous de le développer à la hauteur de vos ambitions. Chacun débute au même endroit et chacun peut être à la tête d'un gigantesque réseau de partenaires. Honnêtement, pensez-vous qu'une entreprise traditionnelle puisse vous offrir une telle opportunité, telle qu'elle peut changer votre vie? Avez-vous déjà vu un ouvrier ou un employé gagner plus que son patron? Eh bien, c'est possible grâce au marketing relationnel. Dans la vente traditionnelle, le vendeur travaille pour son patron et son entreprise. Donc, quand un vendeur entre dans votre réseau, il y a de fortes chances qu'il veuille reproduire ce même cycle. C'est-à-dire qu'il va se dire, je vais recruter des dizaines de personnes et ils vont tous vendre pour moi. Bon, je préfère vous prévenir d'entrée qu'avec ce genre d'attitude, cette personne ne parviendra jamais, malheureusement, à se construire un réseau large et stable. Pourquoi? Parce que les personnes que vous allez parrainer ne travaillent pas pour vous. C'est vous qui travaillez pour elles. C'est-à-dire que vous allez aider vos filleuls à parrainer leur premier filleul et ensuite vous allez leur enseigner comment faire pour que leur filleul puisse à leur tour parrainer d'autres personnes. En un mot, vous allez leur enseigner comment dupliquer tout ce que vous avez appris.
Eh oui, pour assurer votre réussite en marketing relationnel, vous devez aider vos filleuls à parrainer eux-mêmes sur 3 niveaux pour que leurs filleuls puissent faire à leur tour la même chose. Une fois cette étape franchie, vous en serez à ce que l'on appelle le point de bascule. C'est-à-dire que votre réseau s'agrandira tout seul de jour en jour, automatiquement, sans faire quoi que ce soit. Voici ce que vous devez faire pour aider chacun de vos filleuls directs. Tournez la clé de contact, c'est-à-dire le faire entrer dans votre réseau. Enclenchez la première vitesse, donc l'accompagner dans ses débuts en le formant et en le soutenant. Et finalement, appuyez sur la pédale d'accélérateur et faites-lui prendre de la vitesse. Ce qui signifie aidez-le de sorte à ce qu'il puisse rapidement avancer seul, sans même avoir besoin de vous. C'est un business simple et à la portée de tous. Donc rappelez-vous bien de ça. Allumez le moteur, enclenchez la première, ensuite appuyez sur l'accélérateur et aidez vos filleuls à passer les vitesses les unes après les autres. Et ensuite, profitez de la vie. Imaginez votre business de marketing relationnel comme un grand building. Pour construire une tour gigantesque, il faut d'abord construire des bases solides, des fondations qui seront capables de soutenir les milliers de tonnes de béton et d'acier. C'est exactement la même chose dans votre marketing relationnel. Ces bases seront la pierre angulaire de votre business. Bien entendu, ça prend un peu de temps. Dans la construction, par exemple, le travail des fondations est le plus long, mais aussi le plus important. Il est bien évident que si vous construisez des murs sur une base instable, votre édifice va s'écrouler comme un château de cartes. C'est pareil dans votre business. Vous devez construire des bases solides. Et pendant ce temps-là, votre business commence lentement. Par contre, à partir du moment où la construction à proprement parler commence, les murs s'élèvent à une vitesse folle. C'est pareil pour votre business. Une fois que vos bases sont bien établies, vos revenus s'envolent semaine après semaine, mois après mois. La machine s'emballe pour ne plus jamais s'arrêter. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre en place des bases solides et de faire preuve d'un peu de patience. Et vous verrez, vos revenus s'emballeront à la hauteur de vos ambitions. Alors, vous êtes prêt à construire votre business ? Il existe 3 types de personnes qui travailleront avec vous. Celles qui pensent faire fortune sans rien faire. Celles qui ont du potentiel, mais qui ont encore du chemin à parcourir pour réussir. Celles qui ont toutes les qualités et la motivation nécessaires pour construire leur réseau. Alors à votre avis, de quel type de personnes devez-vous vous occuper en priorité ? C'est simple. Des personnes du troisième groupe, bien entendu, car ce sont elles qui vont vous permettre de mener votre vie comme vous l'entendez, d'ici quelques mois. Ça ne veut pas dire que vous devez laisser les 2 autres catégories à l'abandon, au contraire. Mais dites-vous bien une chose, si une personne n'est pas motivée à l'intérieur d'elle-même, vous ne pourrez rien y faire. Vous aurez beau passer des heures et des heures à tenter de la motiver, ça n'y changera quasiment rien. Pour réussir, vous devez donc vous concentrer en priorité sur les personnes qui sont déjà motivées et qui savent qu'on n'a rien sans rien. Votre but, c'est de trouver 5 personnes motivées et de les aider à, elles aussi, en trouver 5. C'est tout ce que vous avez à faire. Si vous passez la plupart de votre temps à sans cesse parrainer de nouvelles personnes plutôt que de vous occuper de celles déjà présentes dans votre réseau, c'est comme si vous partiez aux champignons avec un panier percé. À la fin de votre journée, et malgré tous vos efforts, votre panier sera toujours à moitié vide. Donc, dès qu'une nouvelle personne rentre dans votre réseau, passez 80% de votre temps avec elle. Apprenez-lui, expliquez-lui quoi faire et comment faire pour bien démarrer. Accompagnez-la et enseignez-lui exactement ce qu'on vous enseignera. En un mot, guidez-la. En clair, vous allez passer 20% de votre temps à parrainer une nouvelle personne et 80% à vous occuper de vos filleuls. Et lorsque vous aurez trouvé vos 5 champions, passez 100% de votre temps avec eux. Aidez-les, accompagnez-les et formez-les à eux-mêmes trouver et former leurs 5 futurs champions. Le marketing relationnel est un jeu de multiplication et non d'addition. Vous ne devez pas parrainer des centaines et des centaines de personnes, mais seulement 5 à qui vous apprendrez et que vous aiderez à former eux-mêmes leurs 5 futurs champions. Plus vite vous aurez compris cela, plus vite vous pourrez mener votre vie comme vous le voulez.
Construire votre réseau peut prendre un peu de temps au début, mais vous allez vite vous apercevoir que plus vous êtes nombreux, plus il y a d'énergie au sein du groupe, et plus vos revenus progressent rapidement. Plus vous avez de filleuls, plus vous êtes excité et motivé à aller de l'avant. Vos filleuls le ressentent et ça les incite à redoubler d'efforts pour atteindre leur propre objectif financier. C'est à ce moment-là que tout s'emballe et que vous foncez en direction de l'indépendance financière. Lorsque vous aurez trouvé vos 5 champions et qu'eux-mêmes auront recruté leurs propres champions sur plusieurs niveaux, que pouvez-vous faire d'autre? Il faut avouer qu'à cette étape, vous aurez déjà largement de quoi profiter de la vie. Vous pourrez vous lever à l'heure que vous voulez, faire de beaux voyages, ou pourquoi pas vous offrir la voiture qui vous faisait envie depuis très longtemps. Mais si malgré tout, vous en voulez encore plus, rien ne vous empêche de recommencer un nouveau groupe. Vous pourrez ainsi former 5 nouveaux champions en suivant exactement les mêmes principes. Ce qui est génial avec le marketing de réseau, c'est que vous placez la barre là où vous le voulez. Vous voulez simplement 200 euros de plus tous les mois pour souffler un peu? C'est possible. Vous voulez un revenu récurrent de 1000 euros par mois pour vous payer de belles vacances en famille? Pourquoi pas? C'est aussi possible. Vous voulez gagner de quoi vivre confortablement sans passer 40 ans à travailler pour quelqu'un d'autre? C'est tout à fait possible. La seule limite est votre ambition. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus simple pour vous? Continuer à vous lever tôt chaque matin et travailler pour un patron? Ou au contraire, apprendre en quelques minutes à vous servir d'un système pour finalement l'enseigner à d'autres et ainsi augmenter votre qualité de vie? Si la deuxième option vous parle plus, je vous invite à remplir le questionnaire juste en dessous de cette vidéo et contacter dès que possible la personne qui vous a donné accès à cette vidéo.